Moi, je vous trouve en pleine forme. Tension de jeune homme, réflexe parfait, le cœur est calme. Bon, si vous insistez, je peux vous faire un tracé, j'ai tout ce qu'il faut dans ma voiture. Mais l'idée de me retaper tous vos escaliers, honnêtement... Il est naze, votre toubib. Va falloir en changer. Mais moi, je l'aime bien. Il me rassure. C'est pas le moment d'être rassuré. C'est le moment d'être inquiet, de voir les choses en noir. La seule chose qui m'inquiète, et ça, je vous le dis à chaque fois, c'est votre consommation d'alcool. Vous picolez toujours autant? J'ai gardé une belle cadence. C'est-à-dire? Ben, le matin, au réveil, je bois ma bouteille de blanc. Vers 10 heures, histoire de marquer le coup, d'être solidaire de tous ces mecs qui travaillent sur les chantiers, qui vont faire la pause, ben j'en bois une deuxième. J'en bois une troisième à l'apéro de midi, toujours du blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste au blanc, ou les deux. Bon, après, il faut une sieste. On en est déjà à 4 bouteilles. D'où l'utilité de la sieste. Une heure ou deux de sieste. Quand on se réveille d'une sieste, on a toujours un peu la bouche pâteuse. Alors, là, je repars sur du blanc pour m'éclaircir un peu les idées. Ensuite, piscine. Été comme hiver, ça fait du bien de se décrasser, de remettre un peu la machine en route. Et puis ensuite, on en arrive à l'heure fatidique, l'apéro du soir. Voilà. Est-ce qu'on attend l'heure officielle? Est-ce qu'on anticipe? Moi, j'aime pas perdre de temps. À 18h, j'attaque et là, je m'éclate la tête. Ce qui s'appelle vraiment boire, quoi. Mais à quel moment écrivez-vous? Jamais. Mais comment voulez-vous que j'écrive? Il faut avoir un petit peu les idées claires pour les coucher sur le papier. Au moins 5 minutes dans la journée. J'ai jamais 5 minutes. Je suis tout le temps bourré. Il y a des moments où je vous jure, je suis découragé. Il ne me reste plus qu'à crever, je me dis. Pourquoi vous me regardez comme ça? Évidemment, je vais crever. L'outil attend que ça. Regardez-le, il se pourlèche. Je me pourlèche pas. Je fais mon boulot. Je nettoie les trottoirs. Ici, il n'y a pas de trottoir. On est à la campagne. Excusez-moi, c'était une image. Vous voulez dire que je ressemble à une merde de chien? Non. Pourquoi je voudrais dire ça? Bah, vous me parlez de trottoir. Il y a quoi sur les trottoirs? Des merdes de chien, pas des jonquilles. Vous pouvez rien contre moi. Je suis immortel. C'est moi qui vous aurai à mon heure. Bon, bah, je vais vous mettre un peu de Cardégique 75. C'est pour le cœur. Pour pas vous faire de mal.